prélats mitrés par centaines, des gardes pontificaux de tout uniforme, avant-garde d'une foule d'un demi-million d'hommes massés sur la place Saint-Pierre d'un côté. En face, un petit groupe rutilandeur à la loggia centrale de la façade de Michel-Ange, c'est l'heure du couronnement du nouveau pontife. Le cardinal Canali, premier des cardinaux diacres, pose sur les cheveux blancs de sa sainteté Jean XXIII la tiare aux trois couronnes, symbole des trois royautés. C'est ainsi, coiffé de l'écrasante couronne, que le vicaire du Christ va donner au monde sa bénédiction, que le peuple romain saluera d'une formidable acclamation. Un nouveau règne est commencé.